Bienvenue aux 10 jours de prière 2016. Demeurer en Christ devient le thème général de ces 10 jours. Souvenons-nous, c'était le premier sujet des 10 jours de prière de l'année dernière. Jésus nous invite à demeurer en lui. Le Saint-Esprit veut nous enseigner à demeurer en Christ, ainsi recevoir une vie plus abondante. Comment pourrions-nous vivre cet événement? C'est à chaque communauté qu'est laissée la responsabilité de l'organiser. Nous sommes interpellés par le fait que tout le monde ne pourra pas se déplacer et que toutes les églises ne seront pas ouvertes durant ces 10 jours. Mais la possibilité de se retrouver en petits groupes, dans les foyers, dans les maisons, reste un moyen efficace pour prier ensemble. Par ailleurs, une personne seule peut trouver un partenaire de prière et communier et intercéder par téléphone. L'essentiel, c'est de vouloir vivre cette expérience merveilleuse avec le Seigneur. Des sujets de prière sont prévus chaque jour et vous en avez certainement. Pourquoi ne pas les partager, réserver un jour de jeûne et ainsi vivre un temps spirituel fort? Il serait souhaitable de terminer cette expérience par un temps de témoignage mêlé d'actions de grâce pour toutes les bénédictions que le Seigneur a déversées et qu'il continuera de faire pleuvoir sur nos églises, sur nos familles et sur chacun en particulier. À chaque communauté, chaque famille, chaque groupe et à chacun de voir ce qui est le mieux afin que nous soyons profondément bénis et que le nom de notre Père Céleste soit glorifié en son Fils. Mais si vous ne pouvez pas vous retrouver physiquement avec d'autres frères et sœurs, alors le ministère de la prière et l'équipe de la Fédération vous propose une vidéo par jour qui complétera votre réflexion et vous encouragera à persévérer dans ce temps de prière. Que le Seigneur vous bénisse.